Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la deuxième partie du secret de la map Moer d'Ertoten. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, il y aura une playlist en description et en commentaire épinglé avec toutes les parties et tous les tutos de la map Moer d'Ertoten, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous êtes dans le laboratoire secret et que vous pouvez récupérer les canistères, et bien vous récupérez les trois canistères qui vont vous être présentés. Par la même occasion, derrière, il y a un coffre que vous allez pouvoir ouvrir en tirant dessus avec votre arme spéciale. Donc ça va vous donner un piège à essence. Alors vous aurez besoin de ce piège à essence pour justement remplir le canistère que vous venez de récupérer. Alors maintenant, pour le remplir, il faudra trouver un chargeur de canistère. Et les chargeurs de canistère, il y en a plusieurs dans la map et je n'ai pas tous les emplacements. Je peux vous en montrer 7. Mais s'il y a plus d'emplacements, je mettrai une vidéo en commentaire épinglé et en description qui vous dirigera vers une vidéo où j'aurai regroupé tous les emplacements de tous les chargeurs de canistère quand ils auront été tous découverts. Là pour l'instant j'en ai que 7 à vous montrer. Vous pouvez tous les voir dans le gameplay, donc essayez de vous repérer en fonction du nom de l'emplacement que vous pouvez voir en haut à gauche de mon écran juste à côté de la carte. Essayez de vous repérer aussi avec la carte. Et de toute façon, je vous laisse le gameplay entier de tous les emplacements. Je me suis créé un petit chemin pour tous les retenir. Donc n'hésitez pas à suivre le même chemin que moi pour ne pas en louper. À chaque fois que je ping, ça veut dire qu'à l'emplacement où j'ai pingé, il devrait y en avoir un. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'il a un autre emplacement. Au total, il y a 3 chargeurs de canister à trouver. On se retrouve à mon repère. Point de ralliement établi. Alors quand vous avez trouvé un chargeur de canister, ce que vous devez faire justement c'est mettre le canister à l'intérieur. Donc vous allez près du chargeur, vous interagissez avec carré et ensuite vous lancez un piège à essence sur le chargeur. Et là vous allez voir qu'il y a des zombies tempêtes qui vont arriver. Ce que vous allez devoir faire c'est tuer les zombies tempêtes pour justement charger le canister. Donc si maintenant le piège à essence explose, ce n'est pas grave, vous retournez au laboratoire secret et là vous récupérez un piège à essence. Et ensuite vous recommencez l'étape jusqu'à temps que le canister soit rempli. Quand le canister est rempli, là vous récupérez le canister et vous l'amenez au laboratoire secret. Mais faites attention parce que quand vous aurez le canister autour de vous, vous aurez plusieurs zombies qui vont venir vous attaquer. Après vous pouvez quand même utiliser la compétence spéciale du canister justement qui forme une onde de choc autour de vous et qui tue tous les zombies si vraiment vous êtes bloqué. Après vous pouvez aussi prendre courir vite pour justement aller plus vite et faciliter l'étape. Alors bien entendu essayez de vous équiper de bonnes armes pour justement tuer les zombies qui vont venir devant vous. Parce qu'il y a des massacreurs, ils vont vraiment vous gêner, ils vont se mettre en plein devant vous. Donc si vous n'avez pas une arme assez efficace pour les tuer, ça va être risqué. Alors le but c'est de ramener le canister au laboratoire à son emplacement initial. Et vous allez devoir répéter cette étape 3 fois. Par contre, si vous cassez trop de pièges à essence, il faudra impérativement passer la manche pour que les pièges à essence respawnent. Je pense que vous pouvez en avoir 2 maximum par manche. Alors, quand vous aurez ramené les 3 canistères à leur emplacement initial, là, vous allez devoir trouver une ogive nucléaire. Cependant, je vous l'expliquerai dans la troisième partie du tuto. J'espère que cette deuxième partie vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.